Salut, c'est Roux, bienvenue sur la chaîne Roux Guitare. Vous le savez, je suis toujours à la recherche de nouveaux outils pour vous aider à travailler votre instrument de la manière la plus motivante possible. J'ai toujours conseillé avec plaisir à mes élèves certains programmes ou certaines applications qui permettent de ralentir un morceau pour pouvoir jouer avec. Et aujourd'hui, sur le marché, il existe beaucoup d'applications d'ailleurs qui vous permettent de le faire, ainsi que des éditeurs de tablature. Mais jusqu'à maintenant, j'étais un petit peu partagé entre le soit trop ludique, soit trop technique, avec des interfaces qui étaient un petit peu difficiles à comprendre. Le souci avec certaines applications, c'est que dans leur accès gratuit, c'est un accès extrêmement limité et rempli de publicité. Donc quand je veux conseiller ces programmes-là à mes élèves, j'ose pas vraiment puisque je sais qu'ils vont pas pouvoir l'utiliser. Là, je viens enfin de trouver un programme qui correspond tout à fait à ce que j'attends d'un outil pour pratiquer son instrument, c'est-à-dire que c'est à la fois précis, rigoureux, avec des audios d'excellente qualité et puis une interface très très simple, sans petites fonctionnalités inutiles. N'importe qui peut comprendre comment ça fonctionne. Il y a quelque temps, j'ai été contacté par Tomplay qui m'a demandé d'enregistrer une vidéo pour vous dire ce que je pense de ce programme. Alors, je l'ai essayé, je l'ai fait essayer à des élèves et je me suis carrément pris au jeu. En fait, mes élèves l'ont beaucoup aimé et à titre personnel, je l'ai adoré puisque j'ai même commencé à travailler des morceaux juste pour mon propre plaisir. Alors, regardez bien cette vidéo, je vais vous montrer comment ce programme fonctionne et regardez-la jusqu'à la fin puisque vous allez accéder à une version totalement gratuite. Et en bonus, vous aurez un petit cadeau spécialement pour ceux qui regardent la chaîne Roux Guitare. Donc Tomplay, vous pouvez l'utiliser bien entendu sur tablette, sur smartphone, sur ordinateur portable. Et pour les vieux comme moi, ça va être sur un ordinateur de table. Et vous allez vous créer un compte. Ça, c'est la première chose que vous allez devoir faire. Ensuite, vous allez sur boutique et vous choisissez votre instrument. Autant faire se peut. Donc ça va être guitare pour nous, chaîne Roux Guitare. On va travailler la guitare tout de suite. Vous avez une liste. Deux morceaux qui vous est proposé des morceaux les plus populaires, enfin les plus populaires pour les utilisateurs de Tomplay. Alors, en ce qui me concerne, ça ne va pas être un de ces morceaux-là, même s'il y a des morceaux auxquels on ne pense pas peut-être, qui sont super bien arrangés et qui valent vraiment le coup d'être travaillés. On va choisir par exemple « Dust in the Wind ». Alors, la première chose à faire, c'est de cliquer dessus et vous allez pouvoir avoir un aperçu. Ce que vous entendez, ce n'est pas le disque de Kansas, ce n'est pas un instrument MIDI, ce sont des guitares qui sont enregistrées spécialement pour le programme. Donc si vous avez flashé sur ce morceau comme moi, vous le mettez dans vos partitions, c'est-à-dire que vous devez l'ajouter à vos partitions. Une fois qu'il est dans vos partitions, vous allez maintenant pouvoir le travailler. Donc, le programme va le charger pour pouvoir vous proposer de le pratiquer. La première chose à faire, c'est déjà de voir un petit peu comment ça sonne. Donc, vous allez le jouer. Donc, simplement en cliquant, ça interrompt la lecture. Et on va ralentir la vitesse de lecture au maximum. Donc là, ça va être 70 BPM. S'il y a un passage qui vous pose une difficulté particulière, vous allez pouvoir le sélectionner et le faire tourner en boucle. Donc vous allez simplement sur la fonctionnalité boucle, vous avez une petite explication, et on va choisir ce passage-là, le passage du milieu, avec le Do à 9. Donc ça met un petit peu en transparent les zones qui ne vont pas être jouées, mais ça ne les cache pas non plus. Et c'est parti en boucle. À titre personnel, quelque chose que j'adore avec Tomplay, c'est que le programme est vraiment fait pour vous aider à progresser à la guitare tout en vous amusant. Ça ne va pas vous proposer une liste de morceaux, une liste d'artistes par rapport à vos goûts personnel, mais vous proposez des morceaux par rapport à votre niveau. Vous avez des morceaux pour débutants, des morceaux simples, des morceaux intermédiaires, des morceaux arrangés de manière un petit peu plus complexe, et vous allez trouver différentes versions du même morceau. Toutes ces versions, elles sont arrangées magnifiquement et ça donne vraiment envie. Vous allez voir, vous allez vous prendre au jeu. On pourrait prendre par exemple Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. C'est un morceau que j'aime beaucoup. Donc vous avez une petite version qui va vous donner un aperçu.
Alors celle-là, elle me plaît bien, on la prend, on la met dans nos partitions. Vous pouvez visualiser la page de manière verticale. Vous allez dans paramètres et vous choisissez vertical. Là, ça va vous donner un petit peu plus de visibilité sur les différentes lignes pour vous préparer. Ce programme vous permet également de vous enregistrer en jouant votre morceau. Donc vous appuyez sur Rec comme Record et voilà, vous allez pouvoir entendre, ça va prendre, le son va être pris par l'intermédiaire du microphone de votre ordinateur ou de l'appareil sur lequel vous jouez ce programme. Vous pouvez bien entendu imprimer vos partitions, c'est quand même super cool, particulièrement la version gratuite. À titre personnel, un morceau que j'ai adoré, c'est un morceau en fait que j'ai pas recherché, je l'ai trouvé par hasard, et vraiment c'est une trouvaille heureuse, c'est Misty de Garner Erol. Et l'arrangement est absolument magnifique. Donc voilà ce que je travaille en ce moment. La version accès limité, accès gratuit, elle offre déjà un très vaste choix de morceaux, de styles et de niveaux. Et ça, c'est vraiment le côté très intéressant de ce programme. Et puis, elle permet de jouer, de s'entraîner déjà avec ce programme. Donc, quand vous l'avez, vous pouvez l'utiliser dans sa version gratuite. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer. Regardez, sous cette vidéo, vous avez un lien. Ce lien, c'est un accès absolument sans engagement. 14 jours gratuits d'accès illimité à toutes les fonctionnalités et tous les morceaux du programme. Vous l'essayez. Vous me laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous avez également, avec ce lien, un bonus spécial. Vous avez une réduction de 30% sur l'abonnement annuel de Tomplay. Donc, il faut vraiment en profiter. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto guitare. Bye bye.